Bonjour. Ce matin, je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Ellen White. Le Christ en nous, source du bonheur. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. 1 Chronique 16, verset 10. Les multitudes cherchent avec avidité quelque chose qui leur manque. Elles dépensent leur argent pour acheter du pain qui ne nourrit pas et elles travaillent pour ceux qui ne rassasient pas. L'âme assoiffée et affamée conservera sa soif et sa faim tant qu'elle prendra part au plaisir décevant. Oh, puissent les malheureux entendre la voix de Jésus s'écrier « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ceux qui boivent de l'eau vive n'auront désormais jamais soif. » Le Christ, cette source de vie, est aussi la fontaine de la paix et du bonheur. Que les jeunes magnifient le nom de l'Éternel par sa grande bonté, pour son tendre amour, pour sa touchante miséricorde. Ils peuvent manifester son nom en révélant la grâce divine par une vie bien réglée et par une conversation pieuse. Cette façon de se conduire les disposera à la douceur, elle bannira toute irritabilité de leur caractère. Le cœur où le Christ fait sa demeure possède le bonheur parfait, et le foyer qui adopte la piété comme principe souverain est un foyer béni. De même, dans l'atelier où réside la paix et la présence céleste du Christ, les ouvriers s'avéreront les plus fidèles, les plus dignes de confiance, les plus travailleurs. Cet atelier témoignera en faveur de l'amour et de la crainte de Dieu. Il n'y a ni réconfort, ni bonheur ici-bas sans Jésus. Acceptons-le comme ami et comme sauveur. En lui résident d'incomparables joies. Oh, puissent les brèves années d'épreuves que nous devons traverser nous assurer le règne éternel avec le roi des rois. Si le Christ demeure dans nos cœurs par la foi, nous possédons le bonheur et nous débordons de louanges et de joie. Priez avec moi en ce matin. Père éternel, Christ, notre Sauveur, tu es notre source de joie. Nous avons soif, alors nous venons à toi, afin que tu nous donnes de l'eau vive, afin que nous n'ayons désormais plus soif. Nous avons besoin que notre cœur déborde de ton amour et pour cela, Christ, nous avons besoin que tu habites en nous, afin que nous puissions, Seigneur, nous réjouir en tout temps. Nous croyons que qu'en toi réside notre vrai bonheur. Alors merci de faire ta demeure dans nos cœurs. C'est là notre prière pour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oubliez pas, si le Christ demeure dans nos cœurs, nous avons le vrai bonheur.